Roméo et Juliette des temps modernes. Ah. Vous avez fait ça devant nous sur les réseaux sociaux. Jusqu'à même les gens étaient gris même du lot. Oui, bien sûr. Maintenant, vos love là, c'est devenu vélo aujourd'hui. Qu'est-ce oui, tu sais, love là, c'est deux sens. Hein. Oui. Elle peut tomber love, l'autre peut ne pas tomber donc, love. Tu dis quoi? Elle était love, mais toi, t'es pas tombé dedans. En tout cas, moi, Tiesco, je n'étais pas amoureux d'elle. Mais dans ce jeu-là, ah, vous, vous n'avez jamais dépassé des limites. Mais donc, vous n'avez pas eu des rapports, de rien. Bon, ça, c'est des choses un peu privées que je ne vais pas rentrer dedans. Non, mais c'est ça. Récemment, tu as fait comme si, du genre même là, vous n'avez jamais couché ensemble, même que toi et puis elle-même que. Non, c'est que tu veux rentrer dedans, là. C'est que tu veux savoir, je n'ai pas te dit ça. Bon, mais moi, on était ensemble. Non, on était ensemble. On était ensemble. On était dans une love story. Non, je te dis. Mais ça, je te dis clairement, écoute-moi, je te dis clairement que c'est un buzz qu'on a monté de toutes pièces. Mais c'est devenu vélo aujourd'hui. Et c'est fini. C'est normal, toute chose a une fin. Mm-hmm. Là où c'est devenu vélo, là, c'est femme, gros cœur de femme qui est fâchée, qui fait que ça devient vélo. Donc elle a gourmet, moi. J'en sais rien. Parce que je ne sais pas pourquoi elle se comporte comme ça. Beauté, elle a ton gourmet. Bon, si c'est pas gourmet, là, pourquoi est-ce que tu vas insulter quelqu'un avec qui tu as eu une bonne relation? Quand je monte en France, je rentre en contact avec plusieurs promoteurs de spectacles dans l'espoir de faire venir Conjato en France. Tu comprends? Parce que les gens étaient en train de se moquer de lui, parce que manager a confirmé parti en France pour aller faire première partie des concerts des gens. C'est pas lui-même son concert, il est allé faire première partie des concerts des gens. À cause de ça, les Ivoiriens vont se moquer de Conjato. Donc il fallait trouver un moyen d'enlever la honte sur nous et notre artiste. Voilà c'est comment. C'est devenu un défi. C'est devenu un défi. Voilà comment Nama Boaké rentre dans la danse. Et Nama Boaké me dit, mais tiens, ton petit là, c'est comment? On peut faire quelque chose avec lui ou papa? Il y a toujours des problèmes qui dit, oui. Pardon. Si tu peux nous aider, il faut nous aider. Je le mets en contact avec Whitey Manager, qui travaillait déjà depuis que j'ai pris mon vol pour aller à Paris, qui a fait plus de 22 dates avec Congélateur, à hauteur de 8 millions de francs CFA. Les preuves sont là, les notes sont là, les affiches sont là. Ok, mais pourquoi aujourd'hui les malades n'ont pas l'âme ce soir? Attends, et tout cet argent, Whitey Manager versait ça chez le Libanais pour qu'il garde pour Congélateur. Maintenant, le Libanais, lui, quand on a signé contrat avec Nama Boaké pour envoyer Congélateur en France, le Libanais se plaint que l'agent de France, là, ça est où? Pourquoi lui, il ne voit pas clair dans l'agent de France, là? Comment ça? Alors que la tournée n'est même pas encore finie. Mais qu'on dit, toi, tu prenais 25% déjà. Je n'ai jamais pris 5 francs dans Congélateur depuis que je le connais. Mais pourquoi les gens? Et tout l'entourage peut en témoigner. Je n'ai jamais pris 5 francs. Le seul qui a un contrat avec Congélateur s'appelle Whitey Manager. Il touche 25%. Le reste est censé aller sur le compte de l'enfant. Donc Whitey donnait ça aux Libanais pour qu'ils puissent garder ou mettre sur le compte de l'enfant le temps que tout soit stabilisé. Puisque c'est le Libanais qui payait beaucoup de choses, les dépenses. Mais pourquoi aujourd'hui, Hassan a fait des vidéos pour dire que l'enfant... Parce que c'est son frère Libanais, ils se connaissent tous là-bas. Le Libanais n'étant pas content de ne pas toucher l'argent de la tournée européenne, commence à payer tous les blogueurs sur Internet pour nous insulter matin, midi, soir. Il paye les blogueurs pour insulter Nama Boaké. Tu penses qu'il paye les blogueurs pour le faire? C'est pas, je pense. Les blogueurs vivent chez lui. Ah oui. Il y a un blogueur qui s'appelle As Diesel. Il le nourrit. Il vit chez lui. Il a payé des blogueuses, les caddies, les défauts, les machins. Il a payé tous les blogueurs que lui peut payer pour pouvoir nous salir, pour qu'on puisse séparer le petit de Nama. Parce qu'il a vu que Nama commencer à aimer l'enfant, dans sa tête, il s'est dit que Nama est capable de prendre son enfant. Bon, dis-moi, aujourd'hui, le Congélateur est dans un cas critique, il est malade et tout à l'hôpital. Congélateur n'est pas malade. Congélateur, là, il y a longtemps, il est malade. Depuis qu'il avait confirmé manager, il est malade. Tout le monde sait que Congélateur est malade. Oui, mais une vidéo où il disait qu'il était mal en point et tout. C'est une mise en scène. Parce que là, on est dans la dernière phase. Comme je t'explique, ils ne sont pas venus à la réunion. Donc, la maman de Congélateur est quittée au village avec son oncle et son petit frère. Pour venir, on lui a dit, bon, maman, voilà le cas. Congélateur est quitté à Paris, on est parti l'accueillir à l'aéroport. Bilal a envoyé les gens pour le kidnapper. Ils l'ont pris devant nous tous, ils l'ont mis dans la voiture, ils sont partis avec lui. Jusqu'aujourd'hui, nous, on n'a pas vu ton fils. Ok. Donc, on fait comment? Voilà l'argent de la tournée européenne. Elle dit, elle ne touche pas cet argent tant qu'elle ne voit pas son enfant. Avant de partir en France, c'est vous qui avez pris mon enfant, vous êtes venu jusqu'au village. Donc, ramenez mon enfant et puis on va parler. On dit, mais ton enfant est chez Bilal. Il est chez le Libanais. Elle est partie au commissariat pour déposer plainte. La police a appelé Bilal, envoyé le petit. Bilal dit, non, je ne sais pas, il est avec Valentin, je ne sais pas où il est. Ils ont appelé le Valentin en question. Il dit, non, ils ne viennent pas. On a pris 7 voitures. On est parti au domicile du Congélateur. On ne l'a pas trouvé. Donc, on est revenu à notre conférence de presse avec la maman. Donc, une fois que nous continuons notre conférence de presse,
La maman, on l'appelle, elle retourne là-bas. Tiens, le petit était dans la maison, mais il ne voulait pas ouvrir la porte. Donc, c'est comme ça, la maman arrive avec son frère et son fils pour ramasser tous les affaires du congélateur. Elle se met à genoux devant le congélateur pour dire, je n'ai pas besoin de l'argent d'un Libanais. Mon fils, quitte dans ça, allons-y. C'est comme ça, elle a ramassé toutes ses affaires. Et puis, ils sont venus nous trouver dans notre conférence de presse aux deux plateaux. La maman est partie à la résidence avec le petit, avec, tous les bagages. Ouais, La grande soeur maintenant du petit, qui est en complicité avec le Libanais, qui est dans le clan des Libanais, appelle maintenant la maman pour la menacer de mort, que je vais t'empoisonner. Sa propre fille. Sa propre fille. Toi, et puis congélateur, je vais vous empoisonner si tu ne ramènes pas ce petit-là chez le Libanais. Donc la maman, voyons où ça va là. On a fait asseoir congélateur. On lui a dit, petit, tu veux quoi? Tu veux aller avec qui? Parce que ta maman est fatiguée. Nous, on est fatigués. Le Libanais te veut. Toi, tu veux quoi? Congélateur a dit dans sa bouche, à plusieurs reprises, que lui veut aller chez le Libanais. Le lendemain, ils font boyi avec Lolo Boté. Le Libanais appelle Lolo Boté maintenant en renfort. Ils font boyi pour faire une vidéo en direct pour dire c'est Tiesco Katou Manigassé, ils ont fait ça, ils ont fait ça à l'enfant, l'enfant est malade, c'est ci, c'est ça, c'est ça. On les regarde toujours. La nuit encore, Hassan Ayek vient faire une vidéo pour dire voilà, le petit il est malade, il est là. Mais attends, Hassan Ayek, toi tu aides les gens qui n'ont pas l'argent. Bilal a l'argent. Bilal a l'argent. Il est responsable s'il arrive quoi que ce soit. Mais au par petit. Rapport à quoi? Par rapport à quoi? Le responsable légal là, c'est Bilal Dabo. Donc Bilal qui a l'argent là, toi Hassan Ayed, tu as quitté où pour prendre congélateur pendant l'hôpital, pour faire vidéo, pendant que Bilal a l'argent, il a plusieurs restaurants, il est riche. Mais si l'enfant on l'a mis dans votre mail, il était à Paris avec nous, on l'a mené à l'hôpital plusieurs fois, on a tous les certificats. Même deux jours seulement, il a dormi à l'hôtel et sa maman là, on l'a mené à l'hôpital, on a tous les certificats. Ils ont dit qu'il a une infection urinaire et qu'il a un palu. Mais c'est des choses qui se soignent. Mais si vous ne laissez pas le temps de le soigner et qu'on le dépose chez vous, mais amenez-le à l'hôpital sans bruit. Congélateur lui-même prend son téléphone pour m'appeler. J'ai dit, mais petit, j'ai la conversation, les notes vocales ici. Tu as vu ce qui est en train de se passer? Il dit, papa, tiens, est-ce que c'est pas moi? Que c'est maman Lolo Beauté qui m'a forcé à dire ça? On m'a forcé à me mettre à genoux pour demander pardon. On m'a fait ça. J'ai dit, bon, voilà. Nous, on est en train de t'aider. Vous êtes en train de nous dénigrer. Toi-même, congélateur, tu es là et puis les gens sont en train de nous dénigrer. Il dit, mais moi, de faire quoi? Moi, de congélateur, ici parmi eux, de faire quoi? On m'a dit de faire ça, j'ai fait. On m'a dit de mettre à genoux, je me mets à genoux. Papa Bilal m'a aidé, je mange shawarma, je dors dans la maison climatisée. Bon, il a gardé bon souvenir. S'il a envie de rester lui. Mais lui, il ne sait pas que le Libanais, là, c'est dans son intérêt pour l'image du petit, pour le fait travailler à Abidjan ici pour encaisser l'argent et pour faire la publicité de ses boissons. Mais congélateur, lui, ne peut pas imaginer tout ça. Lui, pour lui, il est bien, il est dans une maison, il a une petite voiture à disposition, il mange shawarma tous les jours, sa vie est belle. Mais tu as dit à Hassan Ayek que toi, tu as les papous, tu as fait ça, c'est quel est quoi les papous? J'ai dit à Hassan Ayek que je répète, je ne suis pas son camarade. On sait comment tu gagnes ton argent pour soi-disant soigner les gens. Tu n'es pas mieux que quelqu'un. Ici, là, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, il m'appelle Tiesco le Sultan. Faut bien retenir ça. Fafa. Suivez Fafa tous les samedis à partir de 12h et les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique, numéro 209 des bouquets Canal Plus Afrique.